PCV! J'ai dit à la fille qui est venue faire le PCV là, tu es où? Moi je dois sortir, hein? Viens ici là vite! Ah! Seigneur Jésus! Ma Bonjour, fille, c'est quoi docteur. ça? Hein? J'ai dit, es-tu partais seulement en boîte de nuit? Pour partir à l'hôpital, tu portes l'habit, on dirait que tu es complètement Ouais, nu. docteur, je suis là pour faire le PCV. Je sais que tu es venu faire le PCV, mais ce n'est pas une façon de s'habiller pour venir à l'hôpital, ma fille. Je parle, tu tournes les yeux, tu balances la grève, je suis ton égal. Hein? Où est ton matériel? J'ai demandé ça à la pharmacie, il n'y avait plus. Tu as regardé, il n'y a pas. Bella. Je vais demander à l'un de mes collègues là, si elle a ça. Je viens te faire le prélèvement parce que je dois sortir dans 5 minutes. Je suis pressée. Je m'en vais chercher ça. Déshabille-toi, vite, tu montes là-bas. Je n'ai pas assez de temps à perdre. Ma fille, je n'ai pas trouvé tout le matériel qu'on devait utiliser là. Hein? Le spéculum là, il n'y en a pas ça là-bas. Donc, je vais voir comment prélever ça avec la cuillère. Ok, docteur, c'est quoi ça? Donc, tu m'apprends mon travail. Hein? J'ai fait 10 années d'études en Europe. Voilà mon diplôme là-bas. Voilà ça. Même le ministère me connaît. Donc, tu as l'habitude de faire ça avec la cuillère? Je vais commencer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça va me faire mal. Même si ça fait mal, tu vas seulement supporter. Regarde-moi les pieds là. Tu es même là, tu te plains. C'est quoi comme ça là? C'est l'autoroute. Ouais, la mère fait ton travail, pardon. J'ai fait mon travail comment? Je dois me plaindre tellement c'est gros. Et je te prie, la cuisse qui entre là-bas sans problème. Hein? Voilà ça qui entre sans problème, sans difficulté. Est-ce que c'est là ton problème? Fais ton travail. Les enfants d'aujourd'hui, je dois seulement puiser les bêtes. Comment c'est beaucoup comme ça, comme la bouillie, ma fille? Hein? Tu as seulement quel genre de maladie comme ça? Ok. C'est quoi ça? Ma fille, qu'est-ce que je vois là? C'est quoi comme ça, ma fille? Quoi? Ok, ça sort de... Ça sort de comment? Ça sort entre tes jambes. Massa, c'est quoi comme ça? C'est quoi comme ça? Donc, c'est sorti entre mes jambes. Tu es surprise. Ce n'est pas toi qui as laissé le préservatif entre tes jambes. Je me dis ça calmement, mais je suis dépassée de voir ça. Je suis surprise. Et ça fait comment pour entrer là? Donc tu laisses les préservatifs, tu marches avec ça comme ça. Je laisse comment? Est-ce que je peux faire un truc comme ça? Est-ce que je suis bête? Tu peux pas faire ça. Moi, je suis dépassée de voir ça. Et ça fait comment pour apparaître là-bas? Ah, comme le... Depuis un certain temps, il y a un gars là qui vient dans la nuit, un esprit. Comme il met les préservatifs, comme le deuxième mauvais là, ça doit être lui qui a laissé ça. Et moi, je ne trouve pas d'autre explication. Ma vie! Depuis quand on laisse les préservatifs dans les couches de nuit? Il se protéger dans le duo sale. Donc même dans les couches de nuit, on utilise les préservatifs. Tu as vu le monsieur dans tes couches de nuit avec les préservatifs. Les enfants d'aujourd'hui, la sorcellerie vous donne quelque chose. Deux préservatifs, regarde. Ouais, deux. Ça va, voilà non, ça. Docteur, ça va. Un, non. deux préservatifs. Tu peux les deux, regardez. Comme si ne fait pas trop comme si c'est sorti, non. Ben là. Descends de ma table. Je n'ai jamais vu la qualité ici. Ma fille, ce n'est pas normal. Hein. Ce n'est pas normal. Comment tu peux marcher avec les préservatifs entre tes jambes? Est-ce que je savais alors? Comment tu ne savais pas? Quand il entrait, tu n'as pas vu comment il entrait. J'ai vu, mais est-ce que je savais qu'il a laissé ça? Donc, il ne t'a pas dit que c'est resté dedans. Je vais te faire une prescription médicale. Pour le moment, là, tu vois, tu peux attendre à la salle d'attente. Pardon, ma fille, lève-toi. Va porter tes conneries là-bas dehors. Où tu es là, tu m'énerves, je ne veux même pas te voir. Tu balances les fesses et préservatifs. Bien de toi, tu es arrivé. Ça, c'est même des qualités, non? Ma fille. Le monsieur là, c'est qui pour toi? Ton mari, hein? Monsieur, je suis dépassée, je n'arrive pas à comprendre comment vous comportez mal comme ça. Hein? Quand vous
couché avec votre femme, vous utilisez les préservatifs. Retirez ça. Voilà deux préservatifs que j'ai retirés entre ses jambes. Hein? C'est quel genre de comportement ça? Quand ça sort, vous retirez après. Vous devez vous protéger avec votre femme. Oui, docteur. Oui, docteur, quoi? Je suis en train de sensibiliser le monsieur. Comment est-ce qu'il peut laisser les préservatifs entre vos jambes? Est-ce que c'est normal? Je vous ai expliqué ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur, regardez. C'est normal ce que vous avez fait. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est même, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Comment ça? Il lui a déjà expliqué ce qui s'est passé. Madame, le machin que vous présentez là, moi, mon épouse et moi, nous n'utilisons pas les préservatifs. Mais j'ai trouvé ça entre ses jambes. Ça sort d'où? Ça sort d'où? Tu sais que j'avais des problèmes, j'étais allée voir le pasteur parce qu'il y avait un esprit qui me dérangeait, il venait souvent dans la nuit. Donc comme il m'a dragué, j'ai barré, il est venu dans la nuit, il m'a violé, il a porté les préservatifs là. En partant, il a oublié. Monsieur, est-ce que les sorciers utilisent les préservatifs? Ne m'embrouillez pas, si vous êtes vous deux là, si vous m'embrouillez, je vais vous boxer ici très mal. Hein. Ok. Elle ne comprend pas, elle se met dans le problème de couple, pourquoi? Quand tu... Écoute, oh oh oh! Quand tu vois ma face là, c'est écrit sur ces idiots. Non, tu n'es pas un idiot, monsieur. Tu ne peux pas faire ma bouche. Non, 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 il n'est pas un idiot. Tu n'es pas un idiot. Comment tu fais du cas de monsieur? Tu prends le préservatif de machin comme ça. Tu prends ça où? Tu prends ça où? Tu prends ça où? Regarde-moi quelqu'un comme ça. Regarde, monsieur, elle ne vous mérite pas. Tu prends le préservatif où? Tu prends le préservatif de machin, ça sort où? Tu prends les préservatifs où? Donc tu me trompes! Et tu te trompes? Tu me trompes! Elle te trompe, monsieur! Merde! 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 C'est pas... Tu me trompes! Elle te trompe, monsieur! Je te trompe pas! Hé, qui t'en va? Elle te trompe, monsieur! Monsieur, calmez-vous! En fait,